Bonjour, bienvenue dans ce cours vidéo intégralement gratuit dans lequel on va parler d'improvisation funk et d'accompagnement funk aussi. C'est un cours intégralement gratuit que je fais pour fêter mes 100 000 abonnés YouTube. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui suivent mes activités sur YouTube et aussi sur mon site Guitare Improvisation. C'est une vidéo qui est destinée plutôt aux guitaristes qui ont un niveau assez avancé. C'est un style de musique qui n'est pas évident à jouer, la funk, parce que en général ça se joue assez vite, parce qu'il faut aussi avoir une assez bonne maîtrise rythmique, donc une bonne précision rythmique autant pour faire des accompagnements que pour faire des solos. Donc j'essaierai au maximum d'expliquer les choses simplement pour que tout le monde s'y retrouve, mais assez vite le niveau va monter. La funk, c'est un style de musique né dans les années 60, avec comme artiste principal, on pourrait citer James Brown, et ensuite il y en a eu d'autres, on peut citer Bootsy Collins, Stevie Wonder, et plus récemment des groupes comme Wolfpack. Dans les documents téléchargeables avec cette vidéo, vous trouverez des listes d'artistes et de CD que je vous conseille d'écouter pour découvrir les différents styles de funk. Parlons rapidement de la structure de cette vidéo. On va commencer par parler des rhythmic funk, et je vais avoir dans cette partie de la vidéo deux approches différentes des rhythmic funk qui vont donc nous donner deux façons différentes d'accompagner sur de la funk. Ensuite, on va avoir l'improvisation et plus spécifiquement l'aspect rythmique. Ce seront des exercices assez simples dans cette deuxième partie de la vidéo, mais qui seront très axés sur le placement rythmique, sur les différents rythmes qu'on peut utiliser lorsqu'on improvise en funk. Ensuite, on parlera des gammes qu'on peut utiliser en funk, et on verra que en fait, la funk, quand on veut improviser, c'est quasiment comme du blues. Donc je vous donnerai des conseils qui sont adaptés à ce style de musique pour improviser. Puis on parlera des cocottes, qui sont un style d'accompagnement complémentaire au rhythmic funk et qui sont très typiques de ce style de musique. Ensuite, on verra comment utiliser les effets et tous les types de variations, comme le placement rythmique ou aussi le phrasé, pour apporter pas mal de contraste et d'intérêt en fait à nos solos. Ensuite, on verra comment nommer et comment comprendre différents grooves qui font tous partie de ce style de musique, et on verra comment jouer dessus. Puis un exercice de jeu en solo ou juste avec un accompagnement qui contient une piste de batterie. Un exercice que je trouve très complet, qui est assez difficile, mais qui est très complet pour bosser à la fois les rythmiques, les cocottes et l'improvisation. Et je finirai par donner quelques conseils pour les guitaristes qui veulent aller plus loin ou approfondir plus spécifiquement certains styles de musique. Et je parlerai évidemment des vidéos et des méthodes que je conseille à mes élèves. C'est parti, on va commencer par regarder les rhythmic funk. Comment faire sonner une rhythmic funk ? En commençant par ce type de rythmique, qui sont les rythmiques les plus courantes en funk. On va commencer par parler des réglages et du matériel. C'est préférable de jouer sur une guitare électrique, de mettre plutôt le micro côté manche, ou alors d'utiliser ce micro-là, donc côté chevalet. Personnellement, sur ma guitare, je préfère ce son-là, mais ça dépend des micros, ça dépend des guitares. En général, on aime bien avoir un son plutôt sec et plutôt claquant lorsqu'on fait une rythmique funk. Donc a priori c'est plutôt ce type de micro, le micro chevalet, qui marchera. Bon, sur mes guitares, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de ce son. Sur l'ampli, on va essayer de pas trop booster les basses et de pas trop couper les aigus, puisque c'est pas mal dans les médiums aigus qu'il va y avoir les fréquences qui nous intéressent lorsqu'on veut faire un accompagnement avec ce type de rythmique. Et les rythmiques funk sonnent très bien sur des guitares acoustiques, alors de préférence avec des cordes en métal. Mais c'est aussi possible de faire des rhythmic funk sur des guitares classiques avec des cordes en nylon. En tout cas, sur les guitares folk, ça marche très bien. C'est juste un petit peu plus difficile à faire. On va commencer par regarder cette rythmique qui est basée sur un accord de mi-7 avec la 9e, mi-9. Ce qui fonctionne bien, c'est de rajouter la quinte dans les aigus qu'on va jouer en écrasant ce doigt, en faisant un semi-barré. Si c'est trop difficile pour vous de faire ce semi-barré, vous pouvez très bien utiliser tous les doigts comme ça et oublier la corde demi-aiguë, donc l'étouffer, ça pose pas de problème, c'est pas grave si on n'a pas la quinte de la corde dans les aigus. Ce qui est important, c'est de bien étouffer la corde demi-grave et la corde demi-aiguë avec le pouce ou avec ce doigt qui va faire exprès de la toucher un petit peu comme ça, et
ses doigts vont essayer de toucher, d'érafler la corde demi-aiguë pour qu'elle aussi soit étouffée. Donc ça va faire ça. On va attaquer toutes les cordes. Pour découvrir cette rythmique funk, le premier exercice que je vous propose, c'est simplement d'alterner 4 coups avec un son tenu, un son de la corde tenu, et 4 coups avec les cordes étouffées. Donc on va jouer en relâchant les doigts. Donc les doigts vont ne plus appuyer sur les cordes, mais ils vont quand même toucher les cordes. Donc quand on va les attaquer, ça va faire ce son-là. Donc 4 coups appuyés, 4 coups étouffés. Voilà, j'ai fait exprès à la fin de la faire pas exactement comme il fallait, je vous expliquerai tout ça. Donc, on fait ça en aller-retour, bas, haut, bas, haut, en appuyé, bas, haut, en étouffé. J'ai fini cette rythmique en la faisant pas exactement comme il fallait, j'ai fait exprès, parce qu'en fait, il faut essayer le plus possible d'avoir un geste qui est ample, donc une trajectoire du médiator qui est importante en fait. Un geste qui est ample, pourquoi? Parce que du coup, le médiator va aller vite. Si on a dans un laps de temps donné, si on a une grande distance à parcourir, le médiator va aller vite, et du coup, on va pas avoir un son trop égrené, ce qu'on ne souhaite pas en général dans une rythmique funk, mais plutôt un son très précis qui va faire tchouk. C'est plutôt ce genre de son qu'on va chercher à avoir. Concernant la technique main droite, il faut pas trop serrer le médiator, sinon ça risque de faire ça. De pas avoir un beau son. Pour avoir un son unique qui fait tchouk, comme je le disais, il faut pas serrer le médiator trop fort, sinon il pourra pas bouger. Ensuite, il faut vraiment avoir un geste qui est vraiment dans le plan des cordes, donc essayer de toucher toutes les cordes et pas faire une espèce de courbe. Un truc comme ça, ou si on attaque que les cordes aiguës, on va attaquer toutes les cordes. Il faut que le poignet soit souple, il faut pas qu'il soit rigide comme ça. Il faut vraiment qu'il puisse pas mal bouger. Pareil pour les doigts, il faut que la main elle soit bien détendue. Et c'est pas très grave si vous éraflez un peu les cordes avec les doigts de la main droite. Si ça gêne pas au niveau du son, c'est pas un problème. Moi quand je fais cette rythmique là, mes doigts touchent un petit peu les cordes, ça gêne pas dans le son. Et dernière chose, il faut pas serrer le médiator trop fort, mais il faut que l'attaque soit franche et que la trajectoire soit ample comme j'ai dit. Il faut aussi veiller à ne pas mettre le volume de la guitare trop fort. Alors moi j'ai réglé mon volume sur l'ampli pour qu'il soit pas trop fort, mais si vous êtes à un volume solo, on va dire, et que vous voulez passer un volume confortable pour la rythmique, si vous restez au volume maximum, vous allez jouer trop fort en fait si vous attaquez fort les cordes. Et du coup, le son que vous aurez pour votre rythmique sera pas bon. Il vaut mieux baisser le volume de la guitare pour être pas trop fort sur l'ampli et attaquer franchement les cordes. Parce qu'en fait, dans le son d'une rythmique funk, il y a ce côté hyper percussif qu'il faut avoir, qui est très important. Et si vous attaquez pas très fort les cordes, vous l'aurez pas. Donc il faut y aller vraiment franchement, quitte à baisser le volume de la guitare pour avoir un meilleur son de rythmique funk. Travaillez ça, passez du temps à jouer sans tempo, juste pour avoir un bon son, et ensuite vous mettez un métronome. Donc vous commencez, je sais pas, à 70 BPM, ça va faire ça à peu près. Petit à petit vous accélérez, vous pourrez au bout d'un moment jouer avec une piste de batterie qui est téléchargeable gratuitement avec cette vidéo, à 90 BPM. Il y en a aussi une un peu plus rapide à 105. Mais déjà 90 c'est pas mal, donc vous pourrez vous entraîner à faire ça avec la batterie. Essayez de vraiment vous concentrer sur ces deux choses qui sont très très importantes, je le répète et je le répéterai encore. Le son, il faut avoir un bon son, et il faut que rythmiquement ce soit très précis, très net,
l'attaque doit être nette et les doubles croches doivent être extrêmement précises. 90% des personnes que, des élèves que j'ai et avec qui je travaille la funk, c'est le problème qui fait que ça sonne pas très bien les rythmiques, c'est ça. C'est pas le reste, c'est pas les petites variations, c'est vraiment le son de quel son j'arrive à obtenir avec ma guitare, mon ampli, mes réglages et la technique main droite et la précision rythmique. Il faut que ce soit le plus précis possible. Maintenant, je vais jouer avec cette piste de batterie à 90 BPM en jouant la rythmique simple que je vous ai proposée, ce qui est déjà un exercice pas évident. Et après, je ferai d'autres rythmiques qui sont téléchargeables, enfin les tablatures sont téléchargeables avec les documents associés à cette vidéo. C'est parti. Ça, c'était une première rythmique funk des plus classiques. Sachez qu'il y a une vidéo, un court vidéo complet sur mon site, Guitare Improvisation, qui s'intitule Créer des rythmiques funk et dans lequel je développe plein de. Je propose plein d'exercices et je développe vraiment en détail cette notion de rythmique funk. Voyons tout de suite une autre façon d'accompagner, de faire une rythmique funk. On n'est pas obligé de jouer autant de cordes. Le type de rythmique qu'on vient de faire, c'est un type de rythmique qu'on trouve très souvent dans la musique de James Brown, par exemple. Et ce sont des clichés rythmiques qu'on retrouve dans sa musique et qu'on réutilise et qui sonnent super bien, parce que James Brown a vraiment beaucoup influencé ce style de musique. On peut très bien jouer moins de notes, et on peut jouer donc moins de cordes et moins de notes, on peut plus tenir les sons. Alors, quand on fait cette rythmique sur le mi-7, normalement on joue avec une batterie et avec un bassiste qui va jouer pas mal de mi-grave. Donc les notes mi, on n'est pas obligé de les jouer. Les notes très importantes, les notes qui donnent vraiment la couleur de cet accord 7 qu'on joue, cet accord 9, ce sont la tierce majeure et la septième mineure de l'accord. Donc en fait, on peut très bien se contenter de jouer uniquement ces deux notes. Ça va faire entendre un mi 7 si le bassiste joue un mi. Donc si on est sur une tourne avec une ligne de basse, une batterie, et on veut juste faire entendre un mi 7, on peut très bien faire. On fait tenir le son comme un pianiste qui ferait une nappe, en fait, pour faire entendre simplement la couleur de l'accord, sans amener forcément un paramètre rythmique à notre rythmique. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de faire ça, mais dans une autre tonalité, en si bémol, sur un accord de si bémol 7. L'accord de basse, ce sera ça. C'est le premier accord du morceau de Chicken, qui est un morceau très connu, un morceau instrumental, très connu, très souvent joué par les personnes qui font de la funk et qui jouent en instrumental. C'est un morceau qui a été joué par Jaco Pastorius. Donc sur cet accord de si bémol 7, on peut jouer uniquement la tierce et la septième de l'accord. Il se trouve que ce sont des notes qui sont en commun avec le mi 7. La septième de si bémol est ici, la septième mineure, et la tierce majeure est ici. Le bassiste il va faire une ligne de basse basée sur la note de si bémol. Et nous on fait uniquement ces deux notes qu'on va tenir. Donc il y a basse, batterie, et nous on fait ça. Et on pourra faire après des petites variations. On commence par faire ça et après je vous montre comment faire des variations. Mmh.
comment faire des variations maintenant. Donc ces deux notes, elles font entendre le si bémol 7, on peut très bien faire un chromatisme vers la tierce majeure de l'accord. C'est quelque chose qui vient du blues, qui sonne extrêmement bien en funk, donc c'est pas très compliqué. Voilà, et je le fais dès le début de la mesure, 3, 4, voilà. Je peux très bien jouer aussi cette note qui fait partie de l'accord de si bémol 7. Tout le reste, toutes les petites variations, je vais aller piocher dans tout ce que je sais concernant l'improvisation. Toutes les notes que je peux jouer pour improviser sur cet accord de si bémol 7, je peux les utiliser pour varier ma rythmique, à condition de rester le plus souvent possible sur ces notes-là. Lorsque je fais ça, je suis accompagnateur, mon rôle principal c'est de faire entendre la couleur de l'accord, c'est pas de faire des solos. Quelle note jouer pour improviser sur cet accord-là, c'est ce qu'on va voir dans d'autres parties de la vidéo, donc je ne détaille pas ça maintenant, mais en tout cas vous allez voir que tout ce qu'on va voir après, vous reverrez cette partie, vous la réécouterez et vous saurez assez facilement comment tourner autour. Je fais un petit exemple d'accompagnement dans ce style d'accompagnement assez épuré avec les sons tenus sur cet accord de si bémol 7 et avec des variations. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de playbacks dans lesquels je fais des accompagnements, en général avec une guitare. Sur le playback de Chicken par exemple, il y a une guitare qui fait ça, qui tient les accords, et deux autres qui font des cocottes, des accompagnements un peu complémentaires. Donc essayez dans tous les playbacks de funk que je propose sur ma chaîne YouTube de reconnaître quelles sont les différentes pistes de guitare. Essayez aussi de faire ça sur vos morceaux de funk préférés, enregistrés par de grands artistes, de grands musiciens. Vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube deux playbacks qui vous intéresseront sans doute pour travailler l'accompagnement. Ce sont des solos que j'ai enregistrés sur des blues en ré, je crois, mais avec une rythmique funk. Et c'est à vous de faire l'accompagnement. Donc il y a basse, batterie, soliste, et il n'y a pas de rythmique. Donc c'est à vous d'accompagner sur un solo que j'ai enregistré. C'est un exercice assez intéressant, donc je vous suggère d'aller voir ces vidéos. Maintenant, attaquons l'improvisation, et on va faire ça en commençant par le sujet le plus important selon moi pour improviser en funk, c'est le rythme. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans ce style de musique. C'est en général un style de musique qui se joue en double croche. Lorsqu'on veut improviser sur de la funk, très souvent c'est en double croche qu'il va falloir jouer, donc ça va assez vite, il faut être à l'aise techniquement, et en plus de ça, il faut avoir un sens du rythme qui est assez aiguisé, quoi. Et ça, c'est pas facile. Très souvent, quand je donne des cours et que je travaille la funk avec des élèves, le problème dans leur improvisation, 90% du temps, c'est le rythme. Donc je vais vous donner des exercices progressifs pour travailler ça. On va commencer par travailler sur deux playbacks. Le playback sur l'accord de si bémol 7 qu'on connaît maintenant, et un autre playback inspiré du morceau Affirmation, qui a été connu par le guitariste George Benson. On va commencer par le playback sur l'accord de si bémol 7, inspiré du morceau The Chicken, à 90 BPM. Quelle note on va jouer pour improviser sur cet accord-là? On va jouer la gamme blues de si bémol, qui se joue comme ça. On va pas hésiter à utiliser les effets qu'on aime bien utiliser en blues, c'est-à-dire les bends. On va surtout en faire sur cette note, puisqu'elle sonne assez blues, mais on peut aussi en faire sur celle-là, on peut aussi en faire sur celle-ci, on peut en faire à pas mal d'endroits. Concentrons-nous déjà sur ces trois notes. Et on va commencer par jouer, c'est la première étape des exercices que je vous propose, en croche. La pulsation, elle est là. Ta 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 ta. Ça, ce sont les doubles croches, et nous on va faire ta 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 ta. C'est le débit maximum qu'on va viser. On peut aussi arrêter de jouer ta 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 ta, bien dans la pulsation, pas trop tôt, pas trop tard,
en essayant d'être parfaitement synchronisé. L'étape juste après, ça va être de jouer des doubles croches. Et comme c'est probablement quelque chose qui va être assez difficile pour vous, en tout cas si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la guitare ou vous n'êtes pas habitué à jouer vite, des doubles croches, ça va faire ta 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 ta. Si on essaie d'en enchaîner, disons 16, ça va être difficile. Donc on va commencer par simplement en jouer 4, ta 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 ta, en faisant une phrase qui est assez simple à jouer. Ça, par exemple, si c'est trop difficile, vous pouvez aussi faire des liés. Cette phrase sera assez facile à faire en lié, puisqu'on n'a pas attaqué toutes les notes. C'est comme vous préférez, on va juste chercher une phrase de 4 notes, ta-ta-ta-ta, qui est facile à jouer. Ça peut être la même note aussi. Hein. Et on s'arrête de jouer pendant 3 temps, donc ça va faire ta-ta-ta-ta, 3, 4, ta-ta-ta-ta. On essaie juste de débiter 4 doubles croches, à la bonne vitesse. Ta 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 ta. C'est parti. J'aurais pu faire une improvisation beaucoup plus longue, vous voyez que déjà juste avec des croches, des pauses, des doubles croches de temps en temps, ça peut sonner assez bien. Petit conseil concernant le rythme. En général, à ce stade-là, dès qu'on commence à faire des doubles croches ou à essayer en enchaîner 4 ou un peu plus, c'est là où les élèves que j'ai ou que j'ai eu décrochent et ont des problèmes rythmiques. Quelque chose de très important pour travailler le rythme justement. Il y a des choses qui... En fait, le rythme, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que c'est une danse intérieure. Le rythme, c'est quelque chose qui est extrêmement corporel. Et donc, il faut essayer, si vous avez des problèmes de rythme, des vrais problèmes importants pour jouer simplement dans la pulsation, hein, pas parce que vous avez du mal à jouer des triolets de double croche, ça, oui, tout le monde a du mal. Si vous avez des vrais problèmes rythmiques, il faut absolument vous concentrer sur votre ressenti physique, du rythme, de la musique, et ça passe pas forcément par des exercices comme taper du pied, qui n'est pas une partie fondamentale, lorsque vous êtes assis surtout, hein, qui n'est pas une partie fondamentale de votre corps, mais plutôt quelque chose au niveau du cou, donc de la tête qui va simplement battre la pulsation, subtilement. Hein. Ça peut être l'épaule, l'idéal c'est le bassin en fait, c'est une partie du corps qui est centrale, qui est extrêmement importante, et c'est ça qui fait que lorsque vous dansez, par exemple, pendant une soirée sur la piste de danse, c'est ça qui fait que vous... Enfin, si votre bassin bouge avec la pulsation, ben, vous allez danser dans la pulsation, et voilà. C'est ce qui est très important. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour les guitaristes, ou pour les musiciens qui ont de vrais problèmes de rythme. C'est une vidéo qui s'intitule « Jouer en rythme », dans laquelle je propose des exercices de percussion corporelle, et de ressenti physique de la pulsation en marchant sur place, en faisant une marche qui alterne sur tous les temps ou sur tous les deux temps en fonction du tempo du morceau. Là, ça va être plutôt sur tous les temps. 1, 2, 3. Il faut donc que physiquement vous ressentiez cette pulsation, et c'est ça qui va faire que vous allez arriver à jouer bien dans la pulsation et que ça va bien sonner ce que vous faites. Regardez tous les musiciens, y compris moi dans cette vidéo quand je joue, vous allez voir que j'ai ce petit mouvement qui fait que je suis bien dans la pulsation, et que si j'en sors un peu, je m'en rends compte. Et du coup, je fais en sorte, quand j'improvise, que ça danse le plus possible, que ça groove le plus possible. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement... lié au corps. Voilà, donc c'était la petite parenthèse si vous avez des problèmes rythmiques. Maintenant, on reste dans l'aspect rythmique de l'improvisation, on va monter d'un cran assez franchement, et on va voir quels sont les motifs rythmiques qu'on peut utiliser et qui sonnent en funk. Là, c'était une partie plutôt progressive et technique, jouer des croches, jouer des doubles croches. Maintenant,
on monte d'un cran et on va voir qu'en fait, ce qui sonne bien en funk, surtout lorsqu'on joue sur un morceau qui sous-entend un débit de double croche, c'est de pas mal faire de surprises rythmiques. Et ça, c'est pas mal en insistant sur les deuxième et quatrième double croche d'un temps que ça va fonctionner. Si on fait tout le temps ta 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 ta, ti ta ti ta 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 ta, c'est pas très surprenant. Si on fait ti da ta ta pa da da ton, ti ta da do de ta, là j'accentue beaucoup, enfin je joue beaucoup plus sur les deuxième et quatrième double croche du temps, et du coup il y a un côté un peu qui balance un peu plus, qui est plus surprenant, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire en funk. Donc je vous propose tout de suite des rythmes précis que j'ai choisis, qui sont en difficulté progressive, qu'on va utiliser dans les improvisations et qui, petit à petit, insistent sur ces deuxième et quatrième double croches du temps. Le rythme qu'on a vu jusqu'à présent, c'était ça. 3, 4. 3, 4. On peut commencer par simplement enlever la troisième double croche, ce qui va nous faire jouer la quatrième double croche isolée. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ti, ti, ti. 3, 4. 3, 4. Ce qu'on peut ensuite faire, c'est jouer 4 double croches régulières et jouer uniquement la deuxième du temps d'après. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ensuite, un autre rythme. La deuxième et la quatrième double croche du temps uniquement, suivi de 4 double croches. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Vous remarquez qu'à chaque fois, je me base sur un balancement de la tête et aussi un petit geste au niveau de l'épaule et subtil du bassin pour bien être dans le rythme que moi je m'impose. Et un dernier rythme, 4 double croches et ensuite deuxième double croche du temps, quatrième et deuxième du troisième temps du coup. 3, 4. 4. 4. Ces rythmes sont assez difficiles. Le plus important là-dedans, c'est d'arriver à percevoir le ressenti que vous avez lorsque je joue les deuxième et quatrième double croche du temps. C'est ça qui est important, c'est ce côté rythmiquement surprenant qu'on va essayer d'amener le plus possible. Et donc, dans l'idéal, la finalité, c'est d'arriver sur commande à jouer uniquement les 2 et 4 du temps. 3, 4. 3, 4. C'est ce que je vais faire tout de suite dans une improvisation. Je commence assez simple rythmiquement, plutôt sur le temps, et petit à petit j'insiste sur ces deuxième et quatrième double croches. Évidemment, dans l'idéal, c'est bien de savoir faire ça sur commande, donc les deuxième et quatrième double croches du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup d'expérience, de mémorisation aussi du ressenti qu'on a lorsque on entend ou lorsqu'on joue ces rythmes, et ça demande aussi pas mal de compétences de visualisation du rythme. Moi, lorsque j'ai envie de jouer un rythme spécifique, je le lis dans ma tête comme une partition, comme si en fait il y avait 4 cases pour les 4 double croches du temps, et je sais comment jouer ce rythme, je sais comment jouer ce rythme, comment jouer ce rythme, parce que je me suis entraîné à faire ça, et du coup je visualise un rythme si j'ai besoin de varier mon improvisation, ou si je déchiffre une partition et qu'il faut jouer ce rythme, je sais comment il va sonner. Donc visualiser un rythme, c'est quelque chose qui n'est pas absolument fondamental, hein. Le plus important c'est d'arriver à l'entendre, mais ça permet énormément de souplesse voilà, lorsqu'on improvise. Pour conclure cette partie de la vidéo, une petite improvisation sur une tourne qui est inspirée du morceau Affirmation, qui a été
joué par George Benson. C'est une tourne sur uniquement deux accords, Mi mineur 9 et Si mineur 7. C'est un 4-1 en Si mineur. Et ce qu'on va jouer comme gamme dessus, c'est la gamme de Si mineur naturel ou éolien. Dans cette partie, on va parler des notes, plus précisément quelles sont les gammes qu'on va pouvoir utiliser pour improviser sur de la funk. La funk, c'est assez souvent basé sur un accord 7 ou sur un accord mineur 7, en tout cas dans un morceau de funk, il y a très souvent l'accord principal qui est 7 ou mineur 7. Supposons, prenons le cas de The Chicken par exemple, où l'accord principal est un accord de Si bémol 7. On va traiter ça comme du blues, et lorsqu'on improvise, la funk c'est quasiment comme du blues. Donc la funk, harmoniquement parlant, c'est du blues en gros. Je simplifie un petit peu, mais c'est vraiment très très proche. Donc ce qu'on va faire sur cet accord-là, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'on va jouer la gamme blues de Si bémol sur un accord 7. C'est ce qu'on fait en blues. Donc c'est ce qu'on a fait, Si bémol blues, c'est la gamme principale, mais on va pas uniquement jouer du blues, on peut très bien rajouter à cette gamme blues des notes qui sonnent un peu plus majeures, un peu moins dissonantes aussi, et ça va nous donner différentes gammes. Il y a plusieurs façons de voir ça, mais il n'y a qu'une bonne façon de le faire, on va dire. Donc j'explique tout ça. On va pouvoir rajouter une tierce majeure, en fait, à cette gamme blues. Ici. Donc cette note, on peut aussi la jouer. Et ensuite, il y a deux notes qui sonnent assez majeures, qui sont la 13e majeure, ou la 6e majeure, et la 2e majeure, ou la 9e majeure, qu'on va pouvoir jouer mélodiquement, qu'on va pouvoir rajouter à notre gamme. Ça pourrait sous-entendre un accord de Si bémol 7, 9, 13, comme ça. Ces notes-là, et celles-ci, on peut très bien faire des bends dessus pour atteindre les notes qu'on connaît et qui sont dans la gamme blues. C'était une fin de phrase plutôt blues. Et ça, c'est une phrase qui utilise cette 13e majeure et qui sonne un peu plus joyeuse que cette phrase qui sonne un peu fausse et un peu blues. Enfin, fausse. Un peu blues en fait. Ça sonne très bien en blues. Ça. Donc personnellement, la première façon dont je vous conseille de concevoir les gammes en funk sur un accord 7, la gamme en funk, c'est de penser à la gamme blues et de rajouter de temps en temps la tierce majeure, la sixte majeure et la seconde majeure. Si vous pensez de cette manière-là, vous allez plus avoir tendance à jouer des phrases blues et c'est souvent ce qui sonne bien. Il y a d'autres façons de penser ces mêmes notes. Il n'y a pas trop d'autres notes en fait que ça, hein. Ça fait déjà pas mal de notes, ça doit faire une dizaine de notes je pense. C'est ce que j'appelle parfois le mode mix au blues ou le bon. On peut penser ça comme un mode dorien en fait. Auquel on va rajouter une quinte diminuée, la note blues et une tierce majeure. Mais on peut aussi penser ça comme le mode mixolydien. Auquel on peut rajouter une tierce mineure. Et la fameuse note blues. La façon dont on va concevoir toutes ces notes-là et dont on va les regrouper mentalement, ça va nous faire jouer des choses différentes. Si on pense plutôt mixolydien, on va peut-être plus avoir tendance à jouer des choses qui sonnent un peu plus majeures. Ça sonne très mixolydien. Si je joue plus dorien,
quelque chose, c'est un mode qui contient une tierce mineure. Donc la façon de penser, si on pense dorien, mixolydien ou gamme blues plus trois notes, ça va pas mal influencer les phrases qui vont sortir de nos improvisations. À vous de choisir celle que vous préférez. Moi, j'aime bien alterner, en fait. Quand je commence à me lasser parce que ça sonne trop majeur, parce que j'ai fait beaucoup de mixolydien, je vais plutôt penser à une phrase blues. Voilà, et après, penser peut-être à du dorien en faisant... Ça vient du mode dorien. Ce que je viens d'expliquer, c'est la même chose qui se passe lorsqu'on joue sur du blues. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pas mal développé dans une vidéo sur YouTube. Je crois qu'il doit s'intituler « Quelle gamme jouer sur un accord 7 ?» je pense. Et je parle du mixolydien, de la gamme blues, tout ça. Et c'est un sujet d'ailleurs que je développe dans quasiment toutes les vidéos de blues et de funk que je propose sur mon site Guitare Improvisation. Je vais faire une improvisation en utilisant ces trois procédés, donc c'est ce groupe de notes que je vais penser de différentes manières pour jouer des phrases différentes sur l'accord de Si bémol 7 issu du playback de The Chicken. C'est parti. Maintenant la même chose sur un accord mineur 7. Pour un accord mineur 7, c'est quasiment la même chose, il y a juste une note qu'on va éviter, c'est la tierce majeure. Alors du coup, je vais faire ça en La mineur, sur un La mineur 7. Donc, cette tierce majeure que je peux viser avec un bend, je vais l'éviter. Donc je vais rester sur cette note. Si je veux faire un bend sur cette note, c'est possible, il faut qu'il soit très léger, donc un quart de ton, voire un peu moins. Ça marche. Mais pas. Ni. Sur un accord de La mineur 7, ça marchera pas. C'est parti, improvisation sur un playback issu du playback, donc uniquement sur l'accord de La mineur 7, c'est issu du playback du morceau Sunny. Pour conclure, parce qu'il y a une autre situation harmonique dans laquelle on se retrouve assez fréquemment en funk, c'est un morceau majeur. Un morceau majeur joué avec une rythmique funk, donc basé sur une tonalité majeure principale. Prenons l'exemple du La majeur. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas ? On va faire ce qu'on fait en rock en fait dans un morceau majeur, c'est qu'on va utiliser la gamme blues de la gamme mineure relative. Donc on est en La majeur, on peut utiliser la pentatonique majeure de La, mais aussi la pentatonique mineure de Fa dièse. Donc trois demi-tons plus graves. C'est là où il y a
la gamme mineure relative. Ça correspond exactement aux mêmes notes, la pentatonique mineure de Fa dièse et la pentatonique majeure de La. Donc, la gamme blues de Fa dièse, la pentatonique mineure. En faisant attention à une chose, c'est que la fondamentale, la tonique même de notre gamme, elle ne sera pas ici, c'est pas un Fa dièse, c'est un La. Donc ça change un peu les points de repère, mais en tout cas au niveau de la position qu'on utilise, c'est cette position qu'on connaît. Maintenant les cocottes. Qu'est-ce que c'est que les cocottes? Ce sont des accompagnements complémentaires qu'on fait en général en mélodie, avec des notes étouffées, en palm muting. Ça sonne en général plutôt comme ça, même s'il peut parfois y avoir quelques accords qui sont plaqués. Donc le palm muting consiste, c'est une technique que j'explique rapidement, ça consiste à étouffer en fait les cordes, toutes les cordes, et particulièrement celles qu'on va jouer, avec la tranche de la main. Donc ça peut être cette partie, ça peut être plus cette partie de la main, ça c'est en fonction de votre morphologie, ce que vous préférez. Et on va l'étouffer pas sur le chevalet, sinon ça n'étouffe pas les cordes, et pas non plus trop ici, sinon ça étouffe trop les cordes. Donc il faut trouver un endroit assez précis pour étouffer les cordes, pour qu'on entende les notes qu'on joue, mais qu'elles soient un peu étouffées quand même. Donc pas, ça c'est pas étouffé, là c'est trop étouffé, là c'est pas mal. On entend quand même un peu la résonance de la note, même si l'attaque est étouffée. Faire des cocottes, c'est un accompagnement qui marche bien lorsqu'il y a déjà un guitariste qui fait soit des accords, ou un pianiste, qui fait des accords plaqués, ou alors qui fait une rythmique funk. Et nous, on va faire quelque chose d'un peu complémentaire. Donc il va falloir faire certaines notes bien choisies, et des rythmes qui sont soit exactement les mêmes que la personne qui fait la rythmique, soit assez complémentaires et assez différentes. Faut pas que ce soit quasiment la même chose. Enfin, ça peut, mais développons pas ce sujet. Donc, on va essayer pas mal, lorsqu'on fait des cocottes, de beaucoup rester dans les notes qui font entendre l'accord. C'est un accompagnement, ce n'est pas un solo. Donc il faut connaître, puisqu'on va faire ça sur l'accord de si bémol 7 de Chicken, il faut connaître l'emplacement des notes de cet accord-là. On appelle ça l'arpège d'accord. Donc c'est l'arpège de l'accord de si bémol 7. Et on va plutôt rester sur les sons médiums, donc pas trop dans les aigus. Toutes ces notes, elles vont bien sonner pour faire des cocottes. Donc on va beaucoup jouer ces notes-là, et on peut faire des chromatismes, évidemment. Quelle mélodie jouer pour faire des cocottes? Il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que si vous savez faire des improvisations et des solos et que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, faire des cocottes, ce ne sera pas du tout difficile. C'est en fait quelque chose qui est improvisé et qui reste bien dans l'accord. Donc il faut accepter cette contrainte de bien rester dans les notes de l'accord et pas trop en sortir pour faire entendre la couleur de l'accord, puisqu'on accompagne, hein, il faut faire entendre un peu l'harmonie du morceau. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que ça doit être quelque chose qui doit être au second plan, et qui doit un peu accrocher l'oreille, même si c'est joué pas fort, et donc il faut qu'il y ait des répétitions. Il faut que ce soit quelque chose de systématique, ou s'il y a des variations, il faut qu'elles soient subtiles. Ou alors, il peut y avoir différentes cocottes en fonction de si on joue sur le refrain, ou sur le couplet, ou sur le refrain d'une chanson, mais il faut qu'il y ait quelque chose de répétitif, ça n'est pas un solo d'accompagnement complémentaire. Il se trouve qu'il y a un playback qui est téléchargeable avec les documents de cette vidéo. Je crois qu'il n'est pas sur YouTube, mais vous le trouverez dans les documents en fichier audio. Avec l'accord de si bémol 7 qui est joué, sans les cocottes que vous trouverez sur le playback sur YouTube. Donc j'ai enlevé les cocottes, comme ça nous, on va s'entraîner à faire des cocottes sur cet accord de si bémol 7. C'est parti. Thank you.
fait ce que j'ai fait là, j'ai passé pas mal de temps à chercher des cocottes. J'ai essayé de voir ce qui sonnait. Des fois, je trouvais une cocotte et je me disais, ah non, il y a peut-être mieux. Et des fois, je trouvais mieux, des fois, je trouvais pas mieux, donc je revenais sur l'idée principale. À la fin, j'ai cherché quelque chose, mais j'étais pas vraiment convaincu. J'ai cherché à faire des cocottes en utilisant des doubles cordes, ce genre de son qu'utilisent beaucoup les guitaristes comme Cory Wong, guitariste rythmique de funk qui est très connu et qui est actuel, qui joue dans Vulfpeck. Donc ça, moi, c'est un son avec lequel je suis pas encore bien à l'aise parce que j'ai assez peu travaillé ça, donc les cocottes en double corde. J'essayais de faire sonner ça et je trouvais rien de vraiment bien parce que selon moi, c'était pas assez complémentaire de l'accompagnement qu'il y avait déjà qui était ça. Donc j'aurais pu chercher un petit peu plus, un jeu en tierce peut-être. Oula. Quelque chose comme ça peut-être, à voir. Bon, j'ai pas passé des heures et des heures à chercher ça. Mais vous, c'est comme ça que vous devez travailler les cocottes. Vous faites tourner ce playback ou n'importe quel morceau que vous aimez bien où il n'y a pas encore de cocotte dessus. Et vous essayez de trouver quelque chose qui est complémentaire et qui sonne bien. Il faut pas qu'on dise waouh, la cocotte, elle est vraiment géniale. Il faut qu'on se dise ah, ça sonne bien, on entend bien la guitare rythmique, tout ça, et il y a ce petit truc derrière là, qui est en fait votre cocotte, qui sonne vraiment bien et qu'on n'entend pas très fort. Il faut que ce soit quelque chose en arrière-plan qui est subtil, qui est répétitif et qui sonne bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les cocottes. Pour savoir quelle cocotte faire sur quel type de morceau, il faut avoir déjà écouté pas mal de funk et avoir des idées de cocotte dans la tête qui vont venir naturellement si vous avez déjà écouté beaucoup de morceaux de funk. Écoutez les cocottes qu'il y a dans mes playbacks, écoutez les cocottes dans tous les morceaux de funk que vous aimez bien, ça peut être James Brown, ça peut être tout ce qui est John Scofield, Wayne Krantz, les choses un petit peu plus instrumentales, peu importe, essayez de repiquer dès que vous pouvez des cocottes qui sont efficaces, qui sont sympas. Il y a le guitariste aussi de Chic, Nile Rodgers, qui est assez connu pour faire des rythmiques funk efficaces. Voilà, peu importe d'où ça vient, essayez de repiquer le plus possible des cocottes lorsque vous en entendez dans des morceaux. Maintenant, on va parler de l'expressivité. Je vais vous donner des conseils dans cette partie pour faire des solos plus expressifs, plus personnels aussi. On va beaucoup utiliser les effets pour amener de différentes manières les notes qu'on joue. C'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup en rock, en blues et en funk, on adore faire ça. Donc les effets, il y en a plein qui existent à la guitare. Pour citer les plus connus, il y a les liés. Donc en hammer-on ou en pull-off. Il y a tout ce qui est glissé. Il y a les bends évidemment. Il y a les vibratos. Il y a les sons en palmuting, en étouffé qu'on aime bien faire en funk, qui est assez typique de la funk. Donc tous ces effets-là, il y a le jeu en double corde, il y en a plein. Bon, à vous d'essayer de repiquer ça chez les guitaristes que vous aimez bien. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Il y a aussi tout ce qui est variation de phrasé. Alors, quand je parle de variation de phrasé, ça veut dire est-ce qu'on va tenir des sons ou est-ce qu'on va les piquer? Est-ce que quand je joue une note, je la tiens, je la fais résonner, ou alors je la coupe net. Le fait de varier son tenu, son piqué, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien dans plein de styles de musique d'ailleurs et pour pas mal d'instruments. Les bassistes qui jouent en funk, ça c'est une des notions clés pour les bassistes lorsqu'ils font des lignes de basse. Est-ce qu'ils tiennent la note ou est-ce qu'ils la piquent? Et le fait de varier son tenu, son piqué, ça apporte de la surprise et ça sonne vraiment bien, particulièrement en funk. Donc nous pareil. Là, des fois j'ai tenu les notes, des fois je les ai piquées et je gagne en expressivité en utilisant évidemment des effets. Et un dernier truc qu'on va pouvoir faire pour gagner en expressivité, c'est varier le placement rythmique. Alors, quand je dis placement rythmique, c'est la capacité à jouer un peu derrière, à faire exprès de ralentir un petit peu et d'étirer en fait la pulsation alors que la rythmique garde bien la pulsation. Ça, on va le faire en particulier sur les morceaux, sur les playbacks, sur les grooves qui s'y prêtent. Et c'est pas tous les grooves qui s'y prêtent. Quand il y a un groove très régulier comme sur Affirmation, sur le playback de Affirmation sur lequel on a joué, ça marche pas très bien de jouer derrière. Si on a un groove qui fait plus comme sur le Sunny par exemple, le playback sur La mineur 7 sur lequel on a improvisé.
qui est assez lent et qui est trinaire, on verra ce que c'est tout à l'heure. Ça fonctionne bien. On va aussi improviser tout de suite sur un groove sur l'accord de Ré7 dièse 9. Sur lequel le fait de jouer laid back, le jouer derrière, ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, je ne détaille pas dans cette vidéo comment faire ça, mais il y a des vidéos dans lesquelles je détaille ça, notamment une sur YouTube qui doit s'intituler jouer devant, jouer derrière, je pense, ou le placement rythmique. Juste avant de faire une improvisation pour illustrer tout ça, tous ces contrastes qu'on va pouvoir amener, il y a un guitariste qui est vraiment excellent dans tous ces trois pistes de travail que je vous propose. Donc les effets, le placement rythmique et puis les sons tenus sont piqués, c'est John Scofield. Il a beaucoup développé ce style de jeu et son jeu est très riche, en particulier pour ce type d'exercice, dans ces domaines-là. Donc écoutez beaucoup de CD de John Scofield. Alors il a fait un peu différents styles de funk, hein, il a fait pas mal de jazz aussi. Donc essayez de bien choisir les CD. D'ailleurs il y aura des CD de John Scofield que je vous suggérerai dans le document téléchargeable avec cette vidéo. Essayez de repiquer toutes ces petites subtilités de phrasé. C'est ce que je vais faire tout de suite sur un playback qui contient l'accord, uniquement l'accord de Ré7 dièse 9. Sur lequel je vais pouvoir utiliser la gamme blues de Ré et tout ce qu'on a vu. Donc c'est un accord de Ré7 en fait, hein, qui sonne un petit peu plus dissonant, un peu plus funk aussi. Donc je vais utiliser ça ici. Le Ré, il est ici. C'est parti. Là, j'ai fait exprès de faire cet exercice sur un playback qui change pas mal de ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui est une rythmique inspirée d'un morceau de John Scofield, si je ne me trompe pas, c'est Hot and Hot, le morceau. Et du coup, j'ai essayé de sonner pas mal comme John Scofield, hein, parce que j'ai beaucoup écouté ce guitariste. Tout ce que je bosse, tout ce que vous allez bosser en improvisant sur ce playback, et dans l'esprit de ce que je viens de faire, c'est quelque chose que vous réutiliserez naturellement sur d'autres playbacks, sur d'autres grooves aussi. Maintenant, une partie qui est un peu plus de l'ordre de la compréhension. Une partie dans laquelle je vais vous expliquer, où je vais un peu mettre dans des cases, on va dire, différents grooves qu'on trouve dans la funk. La funk, c'est un terme enfin, c'est un style de musique qui est très large. Il y a plein de styles de funk. La P-funk, il y a plein d'étiquettes qu'on peut utiliser. Ce qui est important lorsqu'on est musicien, improvisateur, lorsqu'on veut faire des solos ou des rythmiques sur ce style de morceau, c'est de connaître au moins les types de grooves qu'on trouve couramment dans ce style de musique. En général, la funk, c'est basé sur une rythmique qui est, on pourrait dire, si on simplifie un peu, rock au niveau de la batterie. En gros, ça fait boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac. Ce qui se fait assez souvent, c'est dans la rythmique de batterie, c'est qu'on ait une décomposition en double croche qui se fait souvent sur le charlet. Donc ça va faire 4 qui peut se faire plus ou moins vite. Ça peut aussi, les doubles croches, c'est pas obligé, hein. Le batteur il peut rester sur des croches, mais en tout cas dans cette musique là, c'est quelque chose qui est sous-entendu, les doubles croches, c'est quelque chose qui est spécifique à ce style de musique, et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que c'était pas évident, parce qu'il fallait jouer en général des doubles croches lorsqu'on improvise. Au niveau de la rythmique, la première rythmique qu'on a vue, et toutes les rythmiques qu'on a vues en fait,
sont des rythmiques basées sur des doubles croches. Donc la batterie, elle va faire poum, tchac, poum, tchac, et nous on fait 1, 2, 3, 4 pour chaque temps. Ce sont des doubles croches. Donc ça, c'est en général, la funk, c'est binaire avec des doubles croches régulières et avec un poum, tchac sur les 4 temps d'une mesure. Par-dessus ce groove, lorsqu'on veut improviser, il y a principalement deux choses qui marchent. La plus courante, ce sont des doubles croches. Une autre chose qui peut marcher sur certains morceaux de funk, ce sont des croches. C'est pas très courant, mais parfois jouer uniquement en croche, ça fonctionne bien. C'est notamment vrai. Il n'y a pas de règle absolue. C'est pas mal ce que je dis. La musique demande. C'est-à-dire que des fois, on entend une tourne, et des fois, on essaie des croches, et ça, on ne sait pas pourquoi ça marche. Sur cette rythmique-là, avec ce groove-là, ça, les croches, jouer uniquement en croche, ça marche. Sur les morceaux très rapides, par exemple, jouer en croche, ça marchera très bien. Pas besoin de jouer des doubles croches. Mais ça dépend. Alors, il y a deux playbacks que j'ai fait qui sont assez bien pour ça, qui sont basés sur des croches ou sur des doubles croches, mais sur lesquels jouer en croche, ça fonctionne. Il y a le playback Put It Where You Want It et le playback de Cold Duck Time, dans lequel je fais des cocottes en double croche, mais jouer uniquement sur des croches, ça fonctionne. Je fais une petite impro dessus pour illustrer ça. De la même manière, il y a des playbacks basés sur des croches ou sur des doubles croches sur lesquels jouer en croche ne fonctionne pas. Il y a pas mal de morceaux qui sont comme ça. Le playback par exemple de Affirmation sur lequel j'ai joué, vous essaierez de jouer uniquement en croche dessus, ça sonne pas très fun quoi. Ça sonne un peu simple, un peu exercice scolaire parce qu'en fait il faut jouer en double croche pour que ça fonctionne. Et il y a des morceaux comme ça. Et c'est personnellement en tant que prof de guitare, c'est beaucoup comme ça que je choisis les morceaux. Des fois, il y a des morceaux qui sont très allants, qui sont super sympas à écouter, et en jouant en croche dessus, ça fonctionne très bien, comme ce Cold Duck Time. Donc du coup, c'est pas mal ce genre de morceaux funk que j'aime bien proposer aux élèves qui ont un petit niveau technique, qui peuvent pas jouer en double croche en fait. Il y a un troisième type de groove qui est extrêmement courant en funk. C'est un groove dont le nom n'a pas vraiment... Enfin, les musiciens s'accordent pas facilement sur comment on appelle ça. Moi, j'ai une appellation que je trouve assez précise, mais que je sais qui n'est pas partagée par tous les musiciens. C'est ce que j'appelle le trinaire. Quand on joue en trinaire, les doubles croches qu'on va jouer, donc c'est... on joue en double croche, elles vont pas être régulières. C'est ce que le playback avec l'accord de Ré 7 dièse 9 ou le playback de Sunny sur l'accord de La mineur 7, ce sont des morceaux qui sont en trinaire. Donc les doubles croches, elles ne vont pas faire régulières, mais elles vont faire... Vous voyez que là, je fais ta 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 ta, ta 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 ta. C'est pas régulier, ça. C'est pas ta 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 ta. Donc les deuxième et quatrième double croches sont un peu retardées. En fait, elles sont un peu retardées comme le retard qu'on trouve sur des croches sur un morceau en swing ou en shuffle, sur du blues par exemple. C'est la même chose, sauf que là c'est sur des doubles croches. Donc la référence rythmique, c'est pas ta 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 ta, c'est ta 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 ta, si j'accélère, ta 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 ta. Ça, c'est souvent un style, on va voir plus en détail comment faire ça après, hein. C'est souvent un style qu'on appelle groove. Quand on est musicien, il y a pas mal de musiciens qui disent ouais, c'est du groove.
Et sauf qu'en fait, c'est un terme qui est tellement vaste, groove, qu'on ne sait pas vraiment exactement ce à quoi ça fait référence. Donc moi, j'appelle ça trinaire. C'est du swing sur les doubles croches. On dit aussi, c'est écrit en anglais sur les partitions, double croche swingé. C'est marqué ça. En tout cas, ce qui est très important lorsqu'on est musicien, c'est d'arriver à reconnaître à l'oreille lorsque c'est du binaire ou lorsque c'est du trinaire. Lorsque ça fait ta 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 ta, binaire, ou alors ta 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 ta, trinaire. En général, le trinaire se joue un peu plus lentement dans les tempi de 80-90 BPM, alors que tout ce qui est plus 110 BPM et au-delà, en général, c'est tout le temps du binaire. Si je veux illustrer avec la première rythmique qu'on a fait ce groove en trinaire, au lieu de faire les coups bien réguliers, ta 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 ta, je vais faire les coups vers le haut un peu plus tard. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et plus rapidement, ça donne ça. Jouer derrière, jouer laid back, c'est en général plutôt sur les grooves trinaires que ça fonctionne bien. Sur tout ce qui est binaire et bien droit, ça marche un petit peu moins. Ce que je vais faire maintenant, c'est une petite impro en illustrant le fait que lorsqu'on joue sur du trinaire, ta 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 ta, il faut arriver à jouer des doubles croches avec ce débit-là. Ta 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 ta, mais plus rapidement. Maintenant, je vais vous proposer un exercice qui est extrêmement complet, je trouve, et très utile et pratique en plus, puisqu'il nécessite que d'avoir une guitare. C'est un exercice qui consiste à partir sur une rythmique et à répondre à cette rythmique de temps en temps avec soit des cocottes, soit des bouts de solo, des bouts d'improvisation. C'est un exercice qui est très complet parce qu'il vous permettra de bien améliorer votre maîtrise, votre connaissance du manche, des arpèges d'accords, des différentes rythmiques et variations que vous pourrez faire. C'est quelque chose qui peut se faire avec une batterie ou une pulsation ou un métronome ou sans métronome. Je vais faire les deux. Je vais commencer avec une batterie et après je vais faire sans. Je vais faire ça sur l'accord de Mi 7 avec une position de gamme blues ici. Et après, je vais passer sur l'accord de la 7. Mais je peux changer d'accord quand je veux. Je peux passer sur des accords mineurs si je veux. Là, je vais uniquement faire Mi 7 et puis au bout d'un moment, la 7. Thank you.
voyez que des fois ça sonne pas, des fois c'est décousu, des fois je me décale par rapport à la rythmique. À un moment, je me suis un peu planté rythmiquement, quoi. J'étais un peu en retard. Du coup, j'ai refait la phrase pour essayer de la replacer, comprendre un peu ce qui passait pas ou pourquoi j'aimais bien cette phrase. Ça fait partie de l'exercice. Il ne faut pas chercher à ce que ce soit tout de suite super bien, mais si vous faites tourner ça, vous allez voir qu'avec le temps, vous serez capable de passer des solos à l'accompagnement et vous gagnerez vraiment en maîtrise de la guitare funk, en fait. Hein. C'est un exercice qui est, je pense, très difficile. Mais à force de le faire, eh ben, vous allez beaucoup progresser. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, en fait, hein, lorsque j'ai bossé les rythmiques, que je fais un petit peu moins maintenant. Mais voilà, maintenant, je vais faire ça sur un accord mineur 7, Do dièse mineur 7. Non, perdu. Ré dièse mineur 7, Mi bémol mineur 7. C'est parti. Donc, sans batterie. Allez, on va faire du trinaire. Voilà, j'hésite pas des fois de lâcher la rythmique pour faire juste un solo en restant dans la carrure et après je reviens. L'idée de cet exercice, c'est pas de faire quelque chose qui musicalement est super. Là, ce que j'ai fait, des fois c'était un peu hésitant, des fois je me suis un peu planté, mais par contre ça développe la capacité à garder la pulsation, à se débrouiller, à toujours un peu arriver à garder à faire tourner le rythme en fait du morceau, même quand on se plante et qu'on sait pas quel accord jouer, et qu'on a toujours ce truc qui tourne derrière. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour aller plus loin et puis après je vais faire des improvisations un peu plus avancées sur, pas uniquement sur un seul accord, mais sur plusieurs accords. J'ai fait le choix d'ailleurs dans cette vidéo de rester le plus possible uniquement sur un seul accord. Arriver à gérer d'autres accords, faire d'autres arpèges d'accords, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique en fait au style funk, donc, et c'est quelque chose que je développe beaucoup dans plusieurs vidéos sur mon site Guitare Improvisation. C'est des choses qui sont adaptées à chacun des morceaux que je propose d'étudier. Donc comme c'est pas quelque chose qui est spécifique à la funk en fait, j'ai pas jugé ça très pertinent de le faire dans cette vidéo, qui je pense est déjà assez longue et assez riche en informations. Maintenant, quelques conseils pour aller plus loin. Alors, quelque chose que j'ai déjà dit mais que je répète, la base de quasiment tous les styles de musique qu'on essaie de jouer, c'est d'en écouter et d'arriver à on pourrait dire à les analyser ou à percevoir ce que chaque instrument joue, quels sont les différents styles qui existent à l'intérieur de ce style, quel rôle on a avec la guitare dans ce style en particulier, donc la funk, et donc de suivre, ou de, si vous voulez découvrir un peu des artistes, de regarder le document téléchargeable gratuitement dans les documents associés à cette vidéo, les différents artistes et les différents CD que je propose d'écouter. Ensuite, si vous voulez étudier d'autres morceaux plus ou moins faciles en funk, il y a des vidéos disponibles sur ma chaîne Guitare Improvisation, ma chaîne YouTube.
sur mon site Guitare Improvisation. Donc là, c'est des cours qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie en général, qui sont beaucoup plus détaillés sur certains morceaux en particulier, et qui sont classés par niveau. Et il y a aussi des méthodes que je trouve bien, qui moi m'ont pas mal fait progresser ou que je trouve simplement très bien faites. Alors il y en a quelques-unes, je pense particulièrement à cette méthode. C'est pas tellement une méthode, c'est un recueil de morceaux qui est assez varié, qui est extrêmement bien fait et avec une qualité d'enregistrement excellente, digne d'un très bon CD de funk. C'est une méthode de Peter O'Mara qui s'appelle, je sais plus exactement, mais vous aurez le texte précis et le lien. J'ai aucun partenariat avec Peter O'Mara que je ne connais pas, mais je trouve cette méthode vraiment très bien faite. Je m'en sers assez souvent pour faire progresser mes élèves et pour les faire bosser des tournes assez particulières, des esthétiques particulières avec les playbacks qui sont disponibles avec cette méthode qui sont d'excellente qualité. Les musiciens qui jouent sont très bons. Donc voilà, je vous conseille cette méthode-là. Essayez de vous y intéresser ou de voir sur internet quels sons vous pourrez travailler avec cette méthode. C'est plutôt pour les guitaristes avancés. Il y a aussi certaines vidéos que je conseille assez souvent. Il y en a notamment une qui est une vidéo du guitariste Osnoy qui est interviewé et on lui demande comment vous travaillez les rythmiques funk et il joue, alors c'est d'un très haut niveau hein, dans cette vidéo, mais il montre un peu ses différents procédés, différents types de rythmiques qu'il a travaillé. C'est un exercice d'accompagnement solo funk et il joue très très bien et c'est super ce qu'il propose dans cette vidéo. C'est disponible sur YouTube, je pense. Vous devez taper Osnoy funk et vous tomberez tout de suite dessus. Il y a aussi des guitaristes que je vous suggère de suivre. Je pense par exemple à Charlie Hunter, qui est un guitariste qui joue avec une guitare avec peut-être plus de 6 cordes, puisqu'il a des cordes très graves sur le bas de sa guitare, c'est une guitare spéciale. Et il fait des rythmiques et en même temps les lignes de basse, donc il fait un peu quasiment tout le groupe hein, avec sa guitare, et il groove bien. Donc je vous conseille de suivre ce guitariste. Il y a aussi Corey Wong, qui est un guitariste très actuel, qui est extrêmement doué, qui est très efficace pour faire des super rythmiques funk. Donc je vous conseille de vous intéresser à ces artistes. Il y en a d'autres que je listerai dans les documents associés à la vidéo. Pour conclure cette vidéo, je vais faire 2 improvisations, une sur la grille entière de The Chicken et une sur la grille entière de Sunny.
J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, en particulier parce que c'était l'occasion de fêter mes 100 000 abonnés YouTube. J'espère qu'elle vous permettra de mieux appréhender ce style de musique que j'adore. J'espère aussi que les méthodes que j'utilise dans chaque partie de la vidéo, de cette vidéo, vous permettront de comprendre un petit peu mieux comment petit à petit aborder tous ces sujets-là, notamment l'aspect rythmique, l'aspect harmonique. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne évidemment, et comme c'est une vidéo gratuite, n'hésitez pas à pas mal la partager.